mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le gentleman gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Oh les petits amis de No Life, vous avez retrouvé la ficelle de mon bon pull torsadé que mamie m'a tricoté elle-même, comme c'est gentil à vous. Écoutez, ça tombe bien, aujourd'hui on va jouer à Kirby au fil de l'aventure, un petit jeu cousu-main absolument magnifique. Regardez, je vous l'ai mis avec tout un matériel de couture sur mon petit bar, histoire que vous puissiez en profiter. C'est juste magnifique, c'est un jeu tout en tissu, tout en feutrine, tout en coton, un vrai bonheur. C'est super reposant, c'est excellent, vraiment très bien. Ah mais... bon, mais mon fil continue, on dirait, regardez, ça va jusque là, ça va... Oh, bon sang, oh, oh, un ami, mais... oh, mais c'est dingue. Tu as retrouvé le fil de mon mais pull. Oui, mesdames, messieurs, Cyril, ouais. Ah, bah, vous l'avez réclamé, bah, voilà, on a dit, on va en refaire des âneries, tous les deux. Voilà. On avait fait Donkey Kong la dernière fois, c'était resté un grand souvenir pour nous et pour vous, apparemment, hein, c'est vrai. Tout à fait. Vous avez bien aimé, hein, Donkey Kong. Alors, je me suis dit, bah, allez, on va remettre ça avec Cyril, avec Kirby. Voilà, bienvenue dans ce chez Marcus des conseillers au moins de 16 ans. Oui, méfiez-vous. Non, on va essayer d'être très sobre aujourd'hui. C'est mignon comme tout, Kirby. Hein, c'est vraiment fait pour jouer ensemble avec une femme, par exemple. Bon, oui, une oui, femme, oui. On sait bien, mais, ou, mais voilà, moi je joue avec ma femme. Petits cousins, elle a adoré, petits ou des petits cousins, des petites. Mais les filles particulièrement, la Saint-Valentin est peut-être passée, mais c'est un jeu à offrir à sa copine parce que vraiment, elles adorent les tissus, les petits boutons. Bon, vous allez voir. Allez, je mets deux joueurs, ouais. Oh, j'aime bien quand j'ai quelqu'un avec moi pour jouer. Surtout quand c'est toi. Ah bah écoute, moi aussi je suis ravi, hein, encore une fois, d'être là. Ah bah c'est le bonheur. En fait, on a le même humour pourri tous les deux. Donc on sait que... on sait que regarde la vanne à deux balles. Alors regardez, c'est nous. Moi, je suis Kirby, et toi, tu es le petit garçon couronné. Oh, je t'avais préparé une... Bouge pas, je reviens, j'ai une couronne de Galette des Rois pour toi. Je t'avais pas prévenu, mais... Parce que ton personnage est habillé en bleu et a une petite couronne. Donc voilà. Bon, bah, c'est moi, voilà, je suis... Alors, je sais pas comment il s'appelle. Le garçon. Il l'appelle Le Garçon. Le Garçon. Oui, oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Donc, tu t'appelles Le Garçon. Alors, juste, je voudrais vous faire voir le décor. Regardez, c'est magnifique, tous ces petits niveaux. Tout ça, c'est des niveaux avec d'autres séquences à l'intérieur. Le village feutré, ils ont trouvé des super... Alors, tout est en laine ou en tissu. Exactement, tout est fait en feutrine ou en laine. Mais c'est magnifique, vraiment. Le coin nature. Hein, on a envie d'aller avec faire caca au fond du jardin. Avec un arc-en-ciel, ça rappelle beaucoup Rainbow Island. Oui, dans le gameplay aussi, on verra ça. Bubble, des trucs comme ça. Le coin chaleur. Peut-être on va faire ça. Et le coin bonheur. Et je crois qu'à la fin, on peut avoir un gâteau. Exactement. Mais the cake is a lie, méfiez-vous. Donc je te propose d'aller dans le coin chaleur. Alors, on est comme ça. Tu peux monter sur toi. Tu peux monter sur moi, tu le feras. Alors attention. Viens par là, on va aller à la base du volcan. La base du volcan. Alors oui, je te suis. Parce que j'aime beaucoup les textures de ce truc-là. Ah oui, d'accord. Donc on peut choisir de jouer tout seul. Ou à deux, sachant qu'un pote peut vous rejoindre à tout moment. Donc ça, c'est super. Ça, j'adore quand c'est comme ça. C'est vrai. Bon, là, nous, on commence tous les deux à deux, là, mais... Bon, je monte sur ta tête, déjà, direct, comme ça, je suis tranquille. Alors, ils ont un petit lasso, tous les deux, parce qu'ils sont faits en fil, regardez comme c'est bien fait. Et il y a des objets avec des languettes qu'on peut tirer, comme les portions de crème de gruyère qu'on peut pas dire la marque. C'est l'ouverture facile. C'est l'ouverture facile, voilà. Qui est là, vraiment facile, pour le coup. Bah oui, tiens, il m'a mis un petit coup. Alors là, il balance des bombes, on peut les choper avec le lasso. Ouais, et si tu peux venir démolir, ah bah je vais essayer de le faire. Voilà, j'ai chopé une flèche que me balançait un gars, et du coup, ça me permet de dégommer. C'est un missile ou une bombe. Alors regarde, c'est génial, c'est quand tu te débarrasses d'un adversaire, tu le dénoues, en fait. Tu tires la ficelle, j'ai même pas fait gaffe. Tu le découds. Ouais, tout à fait. D'où le terme « en découdre avec l'adversaire », c'est la première vanne, attention ! Il y en aura deux. Merde, c'est mal barré. Ah oui, je pense que c'est très mal barré. Allez, ça, c'est des petites bombes. Oui, je perds ma couronne, j'ai l'impression d'être un roi de la Suède. Oui, oh bien, magnifique. Il a placé la bombe en hauteur, vous avez vu. Oh, hop, et moi, voilà. je te là, porte. Mais qu'est-ce que tu fais là avec moi? je ne suis pas une bombe, arrête. Excuse-moi. Oh, si tu es une bombe, vraiment, t'as vu comment t'es gaulé. Alors en fait, les bombes, il faudrait qu'on les rattrape pour péter ce mur. Alors il faut les jeter d'en haut en fait. Ouais, c'est pas bête. C'est ça, hop. Je vais essayer de. Hop, voilà. Ah, tu l'as eu ou... Eh non, je l'ai pas. Ah, ben... Peut-être tu te troubles en fait à vouloir le faire aussi. Hop, voilà. Mais attends, faut que tu le laisses appuyer pour la frapper. Faut que je laisse appuyer. Sinon, voilà, tu ne fais que la démolir. Ah, voilà. Voilà, très bien. Eh ben non, ah, bah voilà, c'est sur moi, merci. C'est complètement raté. Allez, on va essayer. Peut-être descends un peu. Eh ben non. Non, attends, je vais le faire.
Vas-y, je te laisse faire le chef. Voilà, moi je vais descendre, j'ai aucun courage. Voilà, ça va. Bah écoute, ça commence bien, moi j'ai envie de dire. Foulant, tu vois. Oh pas. Non, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que je veux le faire d'en bas peut-être. Attends. Non, attends. Vas-y, chacun son truc, on va voir. Ah, voilà, c'est beaucoup voilà, mieux. C'est, faut laisser faire les professionnels. J'en prends une avec moi. Oh, je crois qu'elle va me tomber sur la tête. Alors là, il y en a partout, là, c'est plein de passages cachés. Alors regardez, là, il y a un volcan, près. Je vais tirer sur le bouton du volcan et pop, ça va resserrer comme une petite bourse. C'est une bourse, tout à fait. C'est la génial. La bourse ou la vie, sinon ouais, exactement, faut pas qu'on... Alors là... Des petits fils là, qui sont des plateformes en fait. Ouais, voilà, alors tout est en fil, mais vraiment je trouve ça magnifique. J'ai jamais vu de si belles textures sur Wii. Je sais pas toi, mais je trouve que vraiment c'est magnifique quoi. C'est très très beau et c'est très agréable vraiment à jouer avec la petite musique au piano derrière. Oui, là. Alors on dirait des musiques de films muets, c'est soit au piano ou à la guitare sèche, ça dépend des fois. Voilà, il faudrait qu'il y ait des regarde, dialogues. Regarde, donc je reviens. Et en haut là, il y a un fil aussi. Où ça? Tout en haut du niveau, enfin de l'écran. Ah, on a peut-être pu le choper. Il y a... Non, c'est le fil dans lequel il y a des perles qui s'enfilent. Ah oui, et voilà, et ça représente notre parcours dans le niveau. Voilà, alors... Ah, il y a ce point d'interrogation qui se barre, il faut lui courir après. Ah, d'accord. Si tu peux. Ah, c'est trop tard, j'y suis passé. Où es-tu? Là, il faut sauter sur la tête de ces machins. Je vais attendre que, courageusement que j'avance pour oui, toi. Oui, voilà. Et là, ben, c'est ça, il y a le point d'interrogation. Ah. Oh, une lampe magma. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah en fait on a notre petite maison et on peut décorer notre maison avec des fauteuils, des lampes, des trucs comme d'accord. ça. Alors là, il suffit de s'introduire dans l'orifice. Non là, enfin tu vois ce que je veux dire. Pour passer de l'autre côté, voilà. On avait on dit un fil. On avait dit qu'on restait clean. Voilà. Alors là regardez, on va se transformer en machine. Donc on est des petits pompiers. Parce que Kirby peut se transformer, il est connu pour ça. Donc là on est transformé en pompier et en orientant la Wiimote comme ça, regardez. On oriente le jet. Oh, c'est magnifique ce qu'on fait. C'est les grandes zones vers ça. C'est superbe. Alors moi, j'ai découvert Kirby, le gameplay de Kirby, bizarrement. Pas du tout avec Kirby, avec Super Smash Bros. Melee sur GameCube. Parce que, oui, il gobe les adversaires. Les attaques de Kirby, c'était les attaques de Kirby dans le jeu. Donc, tu me foules pas, hein, je reste sur toi, comme ça, j'ai pas besoin voilà, de... Voilà, tout à fait, comme d'habitude. Poser une question. Ah, alors là, on peut choper les diamants. Très bien. Éteindre ça. Ouais, bah en fait, Kirby, c'est un imitateur, quoi. C'est le Laurent Gérard du jeu vidéo. Il est capable d'imiter n'importe qui. Je fais un effort, hein. Je dis Laurent Gérard. D'habitude, je dis Patrick Sébastien. Puis après, je me dis, mais Marc, ça fait ouais, Patrick les Sébastien, années 80 que le Patrick ouais. Sébastien n'est plus imitateur. Il est échangiste, mais il n'est plus imitateur. Échangé, pardon. Oui, enfin, il échange des objets avec des gens, quoi. Mais peut-être. Je ne comprends pas. Mais voilà, je me dis, j'ai toujours des références des années 80, c'est terrible, faut que j'arrête. Donc Laurent Gérard, c'est un progrès pour moi comme référence. Mais tout ça pour dire que Kirby imite très bien les gens. Mais il n'y a plus d'imitateur aussi bon que Patrick Sébastien. Ah, c'est vrai. C'était... Oh, excuse-moi, je ne sais pas ce que je voulais faire. Si, il y a comment... Canteloup, il est bien, Canteloup. Tu vois, il y en a plein quand même. Alors hop, je vais ouvrir. Voilà, ouverture. T'as réussi à le faire, et moi j'ai pas. Si tu peux l'attraper pour moi, j'ai la flemme d'ordre. Voilà, en haut, on le voit, il y a des perles qui se sont enfilées dans. Ah oui. Là, tout en haut. Ah, je crois que ça correspond au nombre. C'est notre parcours dans le niveau. Oui. Je pense, ouais. Non. C'est pas le nombre de diamants. De perles qu'on a récupérées. J'ai pas fait gaffe. Faut collectionner les perles. C'est tel. Alors je rappelle que perle a une autre signification. Là, quand on dit ce jeu est une perle, bien sûr, c'est. C'est pas une perlouse. C'est une perle. Vraiment. Tout à fait. Ah mais là, c'était une remarque de notre cher ami Tony Gavioli qui avait. Ah Tony, si tu me regardes. On t'a fait un grand coucou. Alors regardez, ça j'adore, pas t'attraper comme ça, mais attraper un bouton, regardez, pour replier la texture. En fait, mais je trouve magnifique. Alors là, oui, c'est très surprenant quand on fait la première fois. On s'y attend pas du tout. Bah tout est fait comme ça avec des replis, des. Et c'est vraiment super agréable. Quoi, c'est des bonnes idées vraiment. De se dire que. Parce que ça en fait, ce genre de truc qu'on fait chez soi avec des rideaux. Et... Oui voilà. C'est la même sensation en fait. Ça fait un peu comme Little Big Planet, sauf que c'est jouable. Little Big Planet c'est quasiment injouable et pénible. On se demande même presque si c'est un jeu vidéo à ce niveau-là. Oui. Bah c'est bien pour fabriquer tes trucs, mais si c'est aussi injouable que ce qu'on réussit à faire, c'est quand même un petit peu dommage. Alors. Alors globalement dans ce jeu à chaque fois qu'on voit un bouton on peut le tirer. Voilà. Ah. Et non pas l'éclater comme quand on est ado. Non, on parle des boutons de couture, c'est les boutons qu'on perd toujours. Vas-y, bah jette-moi sur lui, voilà. Ce sera fait. Alors ça me fait beaucoup penser à Clonoa. Oui, le côté ascenseur, une tirette. Et Alex nous disait que voilà, ce niveau ressemble beaucoup à Rainbow Island parce que dans le gameplay on monte, il y a la lave qui nous oblige à monter vite.
C'est vrai. Ah voilà, je voulais attraper le bouton pour fermer la bourse. Et on arrive à la fin du niveau. Donc faut tirer la cloche. Voilà. J'adore cette musique, c'est Noël presque. Mm. Et il faut une petite danse à la fin. Alors j'adore la petite danse, regardez. Ils sont contents, ils ont fini un niveau. Hop, ils dansent. Et voilà. Et ils se transforment en dansant. Oui, au plus, ils se croisent. Ah, oh, hey. Oh, le prochain niveau, on fait la danse. Ok. Allez, c'est parti. Ça sera épique. Donc voilà, on n'a pas regardé tout ce qui était planqué. Ouais, on a eu pas mal de trucs finalement, de perles. On s'est bien débrouillé. Ouais, et deux trésors, donc on pourra décorer notre petit intérieur. Je ne vous ferai pas voir ça, c'est un peu long et pénible, mais on peut choisir la texture des rideaux, du plancher, du papier peint et tout, c'est juste magnifique. Tout ce que vous faites chez vous, vous pouvez le faire à l'enjeu. Voilà. Vous pouvez appeler Valérie Damido, là, la fille d'M6. Et si on allait dans la grotte amusante en parlant de Valérie Damido? Ça m'a l'air amusant, écoutez, allons-y. Allons-y. Oui, donc vous pouvez redécorer votre petit intérieur. Ça, c'est d'accord. Très chouette. Bon, ben. Et toujours avec ces textures incroyables. J'ai jamais vu de texture aussi belle sur Wii, vraiment. Regarde, même nous, les personnages, on voit vraiment le grain du fil. Enfin, c'est ce qui est rigolo, c'est que ça reste quand même en 3D, les personnages restent en 3D, donc c'est. Oui, c'est vrai. Oh, ouais. C'est assez amusant. Allez, je te suis dans ce petit conduit. Et moi, je reste toujours le roi. Ah, le truc qu'on n'a pas fait voir, je peux me transformer en voiture. On parlait de ces talents de. Regarde, je pousse deux fois à droite et je me transforme en voiture. Du coup, je peux aller plus vite. Ah on oui. peut faire des sauts. Et alors, si on appuie deux fois, on a le petit parachute qui permet de revenir. Et si on appuie en tombant, enfin en allant vers le bas, on se transforme en poids pour écraser des monstres. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée de la transformation qui est super importante. Ou casser des blocs. Oh, regarde-moi cette agilité, c'est super ce qu'on a fait. Oh, bien. Ah oui, alors là, quand on est dans l'eau, regardez, on est transformé en petit sous-marin. Donc j'adore cette idée. On était en pompier tout à l'heure, il y a un buggy. C'est vraiment, super beau, quoi. Le buggy, ça s'appelle Moon Patrol. Tu te souviens de ce jeu? J'adorais ce truc-là, moi. Alors, ça me dit rien du tout, Moon Patrol, mais si ça trouve, je le connais de vue. Mais... Eh ben, t'as un petit buggy lunaire et il faut que t'avances. Bon, en tout cas, là, on est très mauvais. Oui, on est pas terrible. Il faut absolument se concentrer sur... Voilà, faut tirer ça un bon moment. Vas-y, je vais essayer de monter. Voilà, hop, et là, on en profite. Et après, hop. Voilà. Voilà, ça y est, c'est pas. Parce que ça se déroule, la plateforme se déroule. Et du coup, on tombe. Alors là, il y a un piège. Voilà. Ouais, voilà, c'était là qu'il fallait peut-être. Alors en même temps, on meurt jamais dans ce jeu, apparemment. On a essayé de mourir pendant les répètes. On n'a pas réussi. On n'a pas vraiment réussi. Donc, a priori. Oh, tu as éclairé un super endroit. Alors là, et puis oui. Moi, je me suis faufilé, j'avais pas eu le temps de voir ce qu'il y a. Alors, je ne sais pas où Faut que tu viennes avec moi, je pense. Attends, mais de toute façon, tu vas revenir, j'ai l'impression. Ouais, je sais une impasse. Donc, je reste où je suis. C'est une bonne idée. Et me revoilà sous forme de fil. Et si j'essaie d'aller là-bas? Ah, mais il y a un. Ah, il y a un monstre. Mais je pense que c'est quand même moi qui ai raison, c'est en bas qu'il faut aller. Parce que la caméra a l'air de me suivre plus moi que bon, toi. Bon, bah vas-y. Oui, regarde, il y a une. Oh, t'as l'air dégoûté avec ta couronne à la main. Allez, bon, comme ça, je passe en premier, voilà. Je t'avais dit que c'était par là. Il y a des petits spermatozoïdes, regarde, sous les deux, sous forme de fil. Écoute, ils sont magnifiques. C'est moi qui aurai l'ovule, hop. On va aller une drôle de tête, l'ovule. C'est quoi, un crapaud? Oh, je t'ai balancé dedans. Bah écoute, ça marche, hein, finalement. Allez, hop, on descend là. Voilà. Ça donne presque envie de se mettre à la couture, Lille. Oui, t'as vu, regarde le grain du tissu. Admire-moi ce tissu. C'est moi le tonnet, c'est magnifique. Alors il y a des petites bifurcations, donc on peut choisir d'aller plutôt d'un côté ou alors, plutôt de l'autre. Alors moi je repars, puisque voilà, t'as pris... voilà, elle serait pour moi... Voilà, c'est un petit labyrinthe. C'est vraiment très simple. Encore une fois, j'ai joué avec ma petite femme, qui est pas très jeu de plateforme ni rien, et là on s'est marrés tous les deux. Elle a trouvé ça magnifique. Mm-hmm. C'est vrai que ça donne envie de faire de la couture. Je reconnais. Même moi. Et après du cosplay, pourquoi pas. Et après du cosplay. Le cosplay de Kirby. Le cosplay de Kirby, ça va être un peu dur, je pense, quand même. Déjà, faut être vide à l'intérieur. Ensuite, faut être rouge. Faut être une. Bah, la forme, ça va, je l'ai. C'est le costume. C'est le costume après qui est plus compliqué. Ah, c'est beaucoup d'abnégation. Hein. Et beaucoup de pâte à tartiner chocolatée. Oh, ça y est, je suis passé. Dis donc, c'était beau ça. Donc, je vais faire la voiture histoire de te rattraper, c'était parti de moi. Alors, voilà. Oh là là, non, la bêtise. Alors, il faut bien maintenir pour que. Pour passer. Oh là là, attention. Et il y a des grosses perles aussi qui sont en forme d'étoiles. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois qu'il faut en choper trois différentes. J'ai pas vu ça tout à l'heure. Alors, oh, là, attention au plafond. Hop, alors cet effet-là est pas très beau. C'est vrai que là c'est... Qu'est-ce que tu trouves pas très beau? Bah, l'effet de vague là qui est un peu cheap. Un peu carré, oui, mais en même temps ça se justifie par la texture, non? Regarde, ouais, alors, regarde, pas, par exemple là, je saute. Oula, c'est dommage.
Je saute sur cette plateforme, regarde, je vais y retourner juste pour le plaisir. Regardez comme la plateforme se tasse sous mes pieds. J'ai vraiment l'impression d'être sur un petit tissu, quoi, vraiment. Ils ont soigné les détails, c'est incroyable, quoi. Oh là, lui, il m'a craché de l'eau. Il m'a craché au visage. On repart un peu en arrière. On va essayer d'avancer. Oh merde, oh là là, je te jure. Alex faisait une remarque tout à l'heure. Oui. Peut-être vrai, c'est que comme on meurt jamais, au bout d'un moment, on fonce dans les ennemis sans réfléchir. Parce que. C'est vrai, on peut le voir comme ça. Moi, je suis tellement content de découvrir. C'est pas un le jeu pour jeu. Gamer vraiment, c'est plutôt un jeu de détente. Ouais, voilà, c'est un petit côté flower, c'est un peu relaxant, ouais. Tranquille. Mais franchement, je trouve ça vraiment bien, quoi, vraiment agréable. Ah, moi j'adore, vraiment j'adore. Tout seul, c'est marrant. À deux, c'est encore plus marrant. C'est vraiment un jeu que... Je sais pas. J'ai envie de dire c'est un jeu qui a la classe. Voilà. Qui est cousu humain. Qui est cousu humain. Cousu de Philippe Blanc. Oui, voilà. Bon, c'est un peu des grosses ficelles. Si je puis me permettre. C'est des gros classiques du jeu de plateforme. Mais c'est quand même bien foutu. C'est quand même très bien réalisé. Hein. Faut... C'est du bon jeu de plateforme. Tiens, viens, on va faire le sous-marin un peu. J'adore faire... Avec son petit pied qui sert d'hélice derrière. C'est super. Par contre, on peut pas avaler d'ennemis là. Je crois que dans le Kirby non. Original, on pouvait. Oui, en général, il les prend, il les recrache un petit peu. Mais Kirby a toujours. Enfin, ils ont fait pas mal de jeux originaux avec Kirby. Il y avait celui où on devait dessiner aussi les niveaux sur. Ouais, sur super DS. Ça. Ah, faut qu'on saute. On devait dessiner ses rampes, si je me souviens bien. Bon, là on n'arrive pas à grand là, chose. Ouais, c'est un peu peut-être un peu sauter. Délicat. Tu vois, je peux t'envoyer comme ça, vas-y. Ah oui. Voilà. Toujours la coopération. Ça, moi, je vais mourir plus bas, puis tu vas me remonter. Bah, tu vas te remonter. C'est très tout lâche. Seul, hein. C'est très lâche ce que je fais là, mais. Ah presque. Ah ben, en fait, il faudrait refaire la même. Ah. Faut refaire le même coup. Là, c'est toi qui vas remonter peut-être. Oui, si tu. Ah mais moi, j'ai été aplati par un truc là. Alors, on va y arriver. C'est un passage un tout petit peu. J'hésite à venir te chercher. Non, vas-y, avance. Bon, j'essaye. Hein. On va voir ce qui se passe. Et je suis de l'autre côté maintenant. La caméra veut pas me lâcher. On va y arriver. Voilà. Hop. C'est, ah, que, le niveau, c'est que le deuxième niveau. Oui, c'est, ah, non, c'est un peu plus loin que ça en fait. J'ai perdu ma couronne, voilà. En fait, il y a plein de niveaux. T'as perdu ta couronne? Oh, c'est pas grave. Voilà. Vas-y, reste là. Ah ben voilà, tu me balances. Oh, pardon. Hop, j'ai essayé de planer jusqu'à ce truc. Non. Oh la vache. Bon, concentrons-nous et coopération, moi je dis. Là, ça ressemble à un bullet time géant. Y'a que ça de vrai, oui, on vazouille là depuis tout à l'heure. Alors, bah maintenant c'est toi qui es. Heureusement que t'es là pour rattraper le coup. Vas-y, saute sur ma tête. Attention. Hey, Rodriguez. Ah oui, voilà, bonne ça c'est idée. Pas mal. Attends-moi. Voilà, je peux arriver jusque là. Attention. Et peut-être que si tu venais, viens sur moi là. Oh non, ça va mal se terminer. Alors, faut pas faire ça. Ah, heureusement que t'es remonté toi, mais. Je suis en train de descendre comme une merdouille là. Ah, c'est pas si facile, hein. On l'avait vu, on répète que ce niveau était chiant. C'est vrai. Voilà, bah, c'est... Ah, au début, c'est facile, puis après, ça devient coton. Bah, fallait bien la sortir à un moment ou à un autre pour faire passer le temps. Je te rejoins, heureusement que t'es un peu meilleur. Alors, que moi. Là, on va peut-être essayer de... Vas-y, reste avec moi, je vais... Attends, là, on peut pas rester, là. Ça va mal finir. L'idée, serait que tu viennes sauter sur ma tête. Alors, hop, vas-y. Hop, vas-y, saute. Ah. Oh, presque. Viens, on va refaire. Reviens vers moi. Hop. Voilà. Ah, pas mal. Et là, je vais essayer de mourir. Voilà. Oh, merde. Ah, c'est bon, on est monté comme tous les deux. En fait, la mort fait partie intégrante du gameplay, c'est ça, a priori. Oui, voilà. Oh, je me suis confondu avec toi. Bah, autant mourir, comme ça, je vais remonter là-haut. File à droite, à mon avis, c'est à droite que ça se passe. Ouais, mais là, je dois attendre qu'une plateforme... Bon, je vais aller mourir un peu plus bas. Et voilà. Ah, merci Cyril. Qu'est-ce que je ferais sans si j'ai battu, tu serais bloqué. Ah, un nouvel appareil étrange. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est le que ça? Bout de coton. J'adore ça. Le bout de coton. Enfin, je sais pas comment on appelle Dieu, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Bah regarde, alors pareil, la texture du coton, excellent. Eh ben, je peux creuser pour me déplacer dans le coton. Un petit peu à la Boulder Dash. Un peu, oui, tout à fait, comme dans Boulder Dash. Ce merveilleux jeu à base de pierres et... Voilà, où fallait pas se prendre des pierres sur la tête. Sauf là... que là, on peut aller où on veut. Ah, mais je suis mort. Non, t'es toujours là. Non, mais j'ai Alex volé. Disait, c'est le niveau le plus douillet de toute l'histoire du jeu vidéo tout à l'heure, c'est vrai. Pas David douillet, hein. Même si on ramasse des pièces jaunes, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on creuse. Ah, des pièces jaunes. On va prendre pour Bernadette. Voilà.
Et ça continue, et ça continue. Encore et encore. C'est que le début. C'est vraiment super poétique. Et puis alors, ces petites musiques au piano qui s'énervent de temps en temps. Oui, là... Un peu angoissante quand il y a un méchant qui arrive. C'est vraiment très chouette, quoi. Par contre, je sais pas trop... Je pense que c'est à droite, t'as raison. Ouais, c'est là. Ah, pièce jaune pour moi. Ah, la sortie, j'ai perdu tous mes... Bon, ben voilà, ils sont de l'autre côté, j'avais perdu toutes mes perles. Et là, on va arriver à la fin, donc je vais sonner les cloches. Et on a dit qu'on faisait la petite danse cette fois-ci. On fait la petite danse. En même temps que... C'est en même temps, Kirby, ça fait Just Dance. Donc, faut faire les mêmes mouvements. C'est ça, hein. Pas mal. Bon, et si on se tapait un boss de fin de niveau, histoire de... Histoire de monter un petit peu... justement. Voilà, parce que là, le niveau, on s'est un petit peu fourvoyé. On s'est un peu perdu. Excusez-nous, hein, on débute forcément. Ouais, on ne nous sommes pas encore experts Kirby. Kirby. Docteur Kirby. Mais le coton a tout rattrapé. C'est chouette, hein. Ah, vraiment, on est sur un petit nuage. Alors, c'était la grotte amusante qui est finalement oui était un petit peu... qui n'était pas si amusante que ça. Je pense qu'il faut qu'on grimpe. C'est un petit peu la grotte, la grotte Palol. Faut passer, voilà. Faut passer sur le volcan de nuage en nuage. Ah d'accord. Et le boss est là. Il s'appelle Flamenco. Voilà. Et j'aime bien ce niveau parce que bah vraiment c'est encore une fois. Est-ce que c'est un boss géant scripté? C'est super scripté, c'est toujours les mêmes trucs à faire. Mais alors il y a de la lave, donc t'as intérêt à te mettre en hauteur pour éviter les ennuis. Ah là. Et faut évidemment récupérer les bombes qu'il te lance pour lui rebalancer à la tronche. D'accord. Mais regarde comme il est beau, j'adore ce tissu là, cette laine. C'est de la laine, ça ? Ma tante, il y avait des coussins dans cette matière, j'adore ce truc. Je trouvais ça magnifique, ces couleurs arc-en-ciel. Donc un coup dans la tronche, après on y tire le bouton, voilà. Et on répète l'opération 3-4 fois jusqu'à ce qu'il en puisse plus. C'est vachement bien. Chouette, là je découvre. Ah, là c'est... Alors oui, ça veut dire qu'il faut bien rester en hauteur. Que je suis mort. Faut essayer de rester en hauteur et éviter ses attaques quand il revient. Attention, il va balancer. Oh là là, faut se barrer. Ah oui, ok. Hop, hop, hop. Oh bah, tu t'en es bien sorti là. Voilà. Ah, ben. Attention, le revoilà. Là, t'as intérêt à faire la voiture des fois pour esquiver les trucs. Oh oh. Bien joué. J'aime bien le petit coup de klaxon. Ah, il est là. Quand tu te transformes en voiture. Attention. On lui rebalance ses trucs. Ah, on peut choper ses. Ouais, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Tac. Et maintenant, le bouton. Tire-lui le bouton. J'y vais. Vas-y. Bon, mais, et voilà. Toi, t'es l'expert en bouton. Ouais. Hein. Ah, je suis le roi du déboutonnage, tu peux pas imaginer. Je préfère d'ailleurs les braguettes à boutons que les braguettes à fermeture éclair. Ouais, c'est pour c'est ça ce que... jeu avec plein de boutons partout. Vraiment, ça me rappelle les boutons qui sont fournis dans les vêtements en rab et que tu perds tout le temps, en fait. Oui, c'est vrai, tu sais jamais où les mettre. Puis voilà, quand tu perds ton bouton, t'en as plus. C'est toujours un cauchemar. Ah bah là, il y en a. Là, t'aimes le bouton. Oh là ! Oh, bien, on s'est bien fait avoir tous les deux. Ah oui, alors, non, mais en fait, c'est toujours les mêmes patterns, hein, c'est pas oui, compliqué. Oui, à peu près, ouais. Oh, bah, attends, 15 ans de monstre de fin de niveau. Bon, oh, attention, je vais faire la voiture pour partir me planquer dans un coin. Ah bah, voilà. Moi, j'ai fait le rien du tout. Attention, le revoilà. Oh là là, je suis très mauvais. Alors, voilà. Oh bah là, la plateforme s'est abaissée toute seule, j'ai rien à éviter. Ah, bah, voilà. Attention, regarde, voilà, hop. Prépare-toi à lui relancer. Donc, tu maintiens appuyé sur 1 pour choper un truc et le lui renvoyer aussitôt. Ah bah, oui. Ah oui, sauf que là... On s'est fait avoir. On s'est fait eu. En fait, il nous a envoyé deux... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, je vais encore mourir, voilà. En fait, avec la première... Ouf. J'ai esquivé la deuxième bombe avec la première. Et il va revenir à droite, de... voilà. C'est quoi, ça? Il va nous envoyer... Attention. Et bah, ça y est, je l'ai, moi. Tu l'as, toi? Boum. Tiens, tire le bouton, vas-y, tire le bouton. Tire le bouton sur le chihuahua. Ah oh, non, c'est pas ce qu'on voulait faire. Ah, oui, quand c'est même. Bon. Voilà. Ça va, il nous reste un peu de temps, quand même. Et voilà le fil blanc qui enfin, tu l'as eu, parce que moi, j'étais surtout là pour t'embêter. On a bien en fait coopéré, quand même. Ah, la petite danse. Bon. Il y a un petit truc comme ça à faire, je pense. Je pense qu'il faut qu'on tourne sur nous-mêmes et qu'on fasse un... Oui, ah bah du coup, on s'en mêle avec la ficelle. Bon, ah bah c'est voilà, pas, bah, pas ça, très grave. C'est ça, de laisser traîner ces pelotes de laine. Bon, alors, ça te plaît, Kirby? Moi, ça me plaît vraiment beaucoup, hein. Franchement, alors, moi, j'ai toujours pas de Wii. T'as pas de Wii, bah, oui. Et je me disais, ça me donnait presque envie de m'acheter une Wii. Écoute, il y a toujours très peu de jeux hein, sur Wii à chaque fois. Ah, alors attends, on a un nouveau, on a gagné un sablier. Ça va sûrement déballer quelque chose, je le balance. Hein. Ah, j'adore la façon de coudre, de découdre, de déplier les niveaux. Voilà, un truc mystère. Une pyramide mystérieuse, parce qu'on a eu un bonus de temps, je pense. Le temple tempéré. J'irai bien voir, mais je connais pas. Alors je te propose d'aller voir, il y a un truc de dinosaure. J'ai toujours aimé les dinosaures. Ok, allons voir les dinosaures en laine. C'est au-dessus de la grotte amusante. Ah, d'accord. Voilà, c'est là. Regarde, il y a un os de dinosaure en laine. Hop, je rentre.
D'accord. Et on va y aller, et puis on se fait deux minutes, et puis après on dira au revoir à nos petits amis de No Life. Mais t'as entièrement raison, je trouve que c'est un des jeux qui donne envie d'acheter une Wii. Alors il y a Mario Kart, il y a Mario Galaxy, Metroid, il y en a pas beaucoup, il y en a 10 à tout casser, ça se compte sur les bonnes. C'est toujours pareil sur les consoles Nintendo. C'est toujours les mêmes vedettes, en plus. Hein. Mais bon, ça marche. Mais c'est original. Oh, bien, regarde. Alors là, ils sont plus en jean, les dinosaures, tu vois, la texture est tout plus... Tout à fait, ouais. Là, on est dans le niveau... Dans le niveau Jones. Là, en patin. je suis pas sûr que la texture de fond soit très Jones. Ah, suspendons-nous. Allez. Comme deux grosses bouboules, c'est un peu comme les bouboules. Non, je dis rien, mais... Là, on joue avec deux boules quand même depuis le début. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, faut choper les trucs au bon moment. Il y a du courant en bas, donc on peut tomber dans l'eau, c'est pas mortel, mais on serait obligé de revenir en arrière à cause du courant, tu vois. J'adore les musiques, voilà, t'es tout le temps, c'est un peu lounge. Oh merde, je vais essayer de continuer. Il faut que j'aille te chercher. Bon. Ouais. Je peux pas. Donc laisse-toi porter par le courant jusqu'au début. Voilà, c'est la seule solution. Et voilà, c'est encore moi. Hein. Là, c'est moi le boulet. Attends, viens avec toi. Est-ce qu'il va revenir, le petit dinosaure? Oh, regardez, il a les yeux fermés quand il est sous l'eau. Mais c'est dingue, c'est sens du détail. Puis là, il nous regarde, on sent que... Ça, Nintendo, ils ont toujours été très forts pour les détails. Hein. C'est ça, leur force. Bah, ça fait vraiment la richesse de cet univers, quoi. Attention, il y a des abeilles. Oh, joli. Ah, oh non. Eh oui, je voulais tirer sur les abeilles, mais en fait... Ouh là là. Il faut qu'on s'entraîne, faut pas qu'on se zène. Je te laisse partir un petit peu devant. Et voilà. Ah, mais c'est la... C'est tout le problème de la coopération, c'est d'arriver à faire des trucs bien sans se gêner. Oh, regarde ça, on alterne le tir. Oh, et on se saute. Ah, mais ça, c'est bien, on peut faire des combos. Des combos de saut. Ah, alors attention, là, je pense qu'il faut... c'est pas ce que je voulais faire, voilà, mais... Et pourtant, c'est ce que je pense que c'est parce que c'est pour avoir un bonus. Ah, ben voilà. Allez, camarade. Tu peux pas partir à gauche ou te laisser mourir à gauche, là, un peu? Ben non, je peux pas. Est-ce que tu peux nager à contre-courant en sautant? En sautant. Ouais, tu sautes puis tu mets à contre-courant. Oh bah merde, ça y est, moi aussi je suis tombé dans l'eau du coup. Ah oui, on peut. Allez, saute. Saute, Forest, saute. Attends, donne-moi la main. Voilà. Oh, c'est beau, quel ce sauvetage en mer. Je pense que j'aurais le prix de camaraderie. On dirait presque alerte à Malibu. Ça, oui, ça manque de maillot. Quoi que deux gros ballons comme ça, c'est tout à fait alerte à Malibu. Bon, on va dire au revoir à nos petits amis, on va s'arrêter là, peut-être. C'était bien sympa, Kirby. C'est vraiment, hein, vraiment beau. Super. Superbe jeu. Et ben donc, tu reviendras jouer avec moi? Oui. On a bien rigolé une fois de plus. Bon, au revoir les petits amis de No Life. Merci Cyril d'être venu en découdre avec moi. On l'avait faite celle-là, oui, je crois. Oui, tu l'as faite tout à l'heure. Oui. Hein. C'est Alzheimer. On a dit tout à ce vite l'âge. Soyez sages, amusez-vous bien avec Kirby qui est vraiment bien à deux. On vous le recommande vraiment. Tout à fait. C'était top. À bientôt. Ciao.